croire très franchement à tous ces « il était une fois » où sont sauvées les princesses maudites. Ce sont de futurs optimistes. Elles réclament son dû magique, ce joker, marraine bleutée ou armure de fer, des os de poulet, une statue antique, un ami secret, une arme de guerre. Elle réclame une aide pour créer son propre conte qui commence par elle était enfermée dans sa peur du monde. Elle réclame son dû magique, ce joker, peut-être une amie faite de ciel et de terre. Elle l'appelle en trois clignements de paupières et ressentit qu'on répondait à sa prière. D'abord un pressentiment qui fige le souffle dans la tente, freinant les larmes amères. Puis du néant, dans cet espace infini, qui pour la princesse maudite était pourtant clos, elle apparut, pour l'instant silhouette indéfinie, comblant ce vide, reliant son île isolée par les eaux, au rivage inaccessible pour fuir vers l'horizon, qui emplit l'œil d'images floues, de promesses sans mots. Ces pièces qui se racontent une histoire, celle d'enfants excités par la venue du soir, qui promet les aventures d'un autre monde, caché pour l'instant dans leur caboche ronde. Ses mains roses papillonnent dans le ciel, elle pourrait empoigner les nuages sur ses pointes de pied. Elle n'est pourtant pas plus grande que l'enfermée. Mais elle possède la magie des chimères, qu'on laisse parfois s'éteindre, éveillée. Sa danse provoque une légère brise, rafraîchissant ainsi le visage de la maudite.